effort extraordinaire comme à chaque fois. Et applaudissez monsieur Tom Novembre. Merci. Et même pas je te le fais, Tom Novembre en mars, même pas je te le fais. Ben, comment c'est tu bon. Vas, mon grand? Ben, ça va bien. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu à ma table, figure-toi. Oh, je voudrais faire voir, je voudrais faire voir ton affiche. Voilà. Le récital de Tom Novembre. Ouais, ça se passe. Ben, ça se passe pendant la répétition du spectacle d'un chanteur qui veut rôder ses chansons, mais qui est interrompu par des gens inhérents à ce lieu et ce moment-là. C'est entre le théâtre et la chanson, c'est quoi? Oui, c'est l'occasion de faire tout ce que j'aime bien, c'est-à-dire chanter les chansons que j'écris, jouer les personnages que j'invente et faire rigoler les gens. On a deux belles voix d'hommes ce soir. Ah oui, me fait pas peur, la voix revolver. La voix Marc. Vous avez de la chance d'avoir une voix comme ça. Qui y a avec toi? Il y a moi. T'es tout seul? Oui, je suis tout seul, c'est un one man. Avec les chansons, les sketchs. Et ta musicien puis... Pas non, t'es tout seul? Non, tout seul. One man. Eh ouais. C'est vachement back bien. To the block, au point de départ. T'as un album de prévu autrement? Ah, c'est dans l'air, toujours, quand il y a des chansons, tôt ou tard, ça devient un album, j'espère. Est-ce que c'est ta famille, ça aussi? Ah oui, artistes. Oui, mais mes premiers pas, c'est Grok. Tu te rappelles de Grok? Ah, qui a un très bel héritier, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qui va revenir bientôt nous voir, qui s'appelle Gigalov, qui est un clown absolument magnifique. On se rend pas compte à quel point, là aussi, ça va le travail. Ça marque tout de suite, et c'est lui qui m'a donné envie de faire rire les gens. Parce que quand les gens rient, c'est qu'il se passe quelque chose, c'est qu'ils percutent sur quelque chose, c'est qu'ils vibrent. Et j'ai toujours bien aimé les entendre rigoler et les faire rigoler. Mais on peut rire aussi avec les yeux, comme je te vois là, t'as les yeux brillants depuis le début de la soirée, c'est formidable. Ça tombe bien aussi, c'est un numéro de lumière, c'est lumineux comme exact. Toi, ce qu'on va voir. Oui, Jarol Martin, un Américain qui peut vous redécorer le séjour en deux temps, trois mouvements. Exactement. Et en faire une espèce de vitrine de Noël, voire mieux. Et tout le monde parce va se dire avec des lampes comme et nous, des lumières. Tout le monde va se dire comme nous, mais d'où il les sort? C'est pas possible. Ah. D'où il les sort. Alors, des lumières sur scène, une lumière de plus à côté de moi. Bien, hein. Chime. Voilà. C'est une la lumière magie. Ajoutée. Et le monsieur s'appelle donc Jarol Martin. Jean-Long. Et ce que je voulais vous dire, c'est que je vous quitte à cette table parce que nous, on va aller se mettre à... Merci d'avoir été à ma table. Merci. Monsieur Jarol Martin, merci mon Tom. Mais de rien, merci. Au théâtre Trévise, les lundis et mardis à 20h. Théâtre Trévise, lundi, mardi à 20h. J'ai dit deux fois, je dirais pas trois fois. Théâtre Trévise, lundi et mardi à 20h. Et en province, en fin de semaine. Voilà, allons-y. Jarol Martin.